Salut mes petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce week-end, donc du 1er et du 2 mai. Très bon 1er mai à vous tous, je vous envoie un brin de muguet par la pensée, par le cœur à vous tous. Et je vous kiffe et j'adore vos petits commentaires et vos petits pouces et c'est classe, voilà. Quel est l'ange qui nous suit ce week-end pour le 1er et le 2 mai. On attaque le mois de mai et j'ai toujours pas fini mes signes astro. C'est pas grave. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît? Quel est l'ange qui nous suit pour ce week-end? Allez. Wow. Ah, comme quoi, dès qu'on demande, ça arrive. Ouh, l'ange de l'inspiration. Ce week-end, on va être inspiré. Ben, j'espère que je vais être inspirée pour vos petits signes astro, les loulous. Ce week-end, on va être inspiré. Inspiré à trouver de nouvelles idées. Inspiré à se concentrer sur nous. Inspiré au niveau de notre cœur. Cherchez pas pourquoi je ressens ça. Et l'ange de la communication. Peut-être qu'une communication franche et droite. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont inspirées pour communiquer, pour revenir communiquer ou pour communiquer différemment. On va aller voir ce que cela nous dit et nous allons voir avec le tarot. Comme ça. Oh, bon. On pourrait prendre un petit animal, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris nos petits animaux, là. Alors, quel est l'animal qui nous suit ce week-end? Ah, j'ai pas envie de le faire comme ça. Je vais le faire différemment. Tiens, on va changer complètement. On va faire comme ça. On va prendre le tarot. Hein? On fait un truc un peu fun. Venez, on fait un truc un peu fun, on change. On va le faire comme ça. Dans quelle énergie on est ce week-end? Énergie positive. Quelle est la force positive dans laquelle on est ce week-end? Au niveau positivité, d'un point de vue général, pour tout le monde, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Wow! Le roi de bâton. Magnifique. Une énergie de feu, une énergie de mouvement, d'action. On nous parle de savoir... D'être stable au niveau de ce qu'on désire, de ce qu'on veut poser comme intention. Ça, c'est notre force. La force d'être stable au niveau de nos projets, au niveau de nos ambitions, au niveau de nos choix d'âme, d'un point de vue général. Hein, avoir cette passion, cette feu intérieur qui brûle, qui nous permet d'avancer, mais tout en étant stable, posé, fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous parle de cœur, ça nous parle d'avancement. Ça, c'est le côté positif qui nous suit ce week-end. C'est le roi de bâton. Magnifique, le roi de bâton. J'avais demandé du positif. D'accord. Qu'est-ce qu'on a à dépasser ce week-end? Vous ne pensiez pas que j'allais faire que des trucs tout beau, tout rose. Hein. On n'aime pas chez les bisounours, les gars, non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a... Waouh, elle tombe direct. Qu'est-ce qu'on a à dépasser ce week-end? Ah, le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la bonne collaboration. La bonne collaboration au niveau matériel, au niveau des deniers. Ça nous parle de terre, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de savoir poser des fondations solides. On a besoin de travailler nos fondations. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on désire, on sait où on veut aller, on est stable dans ce qu'on désire, dans notre cœur, dans nos choix de cœur, nos choix de tête, on sait comment on veut avancer. D'un point de vue général, on a une énergie de feu, d'avancement, sans non plus brûler les ailes. Hein, voilà, le roi de bâton, il est aussi fidèle parce qu'il est honnête envers lui-même, il ne porte pas de masque. Mais on a du mal à savoir comment articuler tout ça, comment trouver des bonnes fondations.
Voilà ce qu'on a à dépasser ce week-end. Réussir à trouver des bonnes fondations, réussir à poser un socle solide sur nos projets, sur notre avancement personnel, notre chemin de vie, notre avancement spirituel, sur un travail ou autre. On a ça à dépasser. Réussir à se recentrer, ça me parle d'ancrage aussi. Ça me parle aussi de s'entourer des bonnes personnes. Faites attention aux personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Pour ça, écoutez votre âme, vous le savez. De toute façon, on le sait tout de suite. Hein, quand une personne n'est pas bonne pour nous, on le sent tout de suite. Hein. Ok, d'accord. Et donc, on a l'ange de l'inspiration. Forcément, on est inspiré. Avec un roi de bâton, on est forcément inspiré. Ok. Du coup, on va changer. Enfin, un truc fun. Je suis fan. J'avais pas du tout prévu de faire ça, mais c'est pas grave. On va aller faire un tirage avec l'oracle des animaux, justement. En ce moment, je me sens très reliée à la Terre. Je ne saurais l'expliquer. Besoin d'ancrage, besoin de ressources à la terre, besoin de... D'ailleurs, pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, qui ont envie d'aborder la maladie, les traitements, tout le système allopathique qu'on a actuellement, je vous conseille d'aller voir, j'ai découvert sa chaîne, elle s'appelle Irène Grosjean. Elle est très connue, cette dame. Elle a plus de 91 ans et elle a monté sa chaîne YouTube pour transmettre. Elle fait de la naturopathie et elle transmet tout un savoir de naturopathe sur ce qu'elle a découvert au fur et à mesure des années. Et franchement, je vous conseille parce que elle est juste extraordinaire, cette femme. Avec plus de lumière, ça ira peut-être mieux pour vous, non? Je sais pas, je me dis peut-être comme ça, c'est peut-être... Attendez. Excusez-moi, je m'organise. Peut-être mieux comme ça pour vous, non? Moi, je pense que vous y voyez mieux. Irène Grosjean, allez la voir, elle est fantastique, cette dame. Moi, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Quels sont les messages pour ce week-end? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Oh, l'action, le castor. On va aller les tirer, puis ensuite, on va aller les interpréter. Hein? D'accord? On va pas faire comme d'habitude, j'ai envie de changer. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Est-ce qu'on a d'autres messages pour ce week-end, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour nous? Êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages pour ce week-end du 1er. D'accord, donc on me dit que c'est celle-là. Ok. Très bien. Je vais toutes les interpréter à l'endroit. Oui, parce que j'ai décidé, c'est comme ça. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok, très bien. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Oh. Très bien. Et en d'autres decks, on a la famille. Ok. Donc, on a comme 4 le castor avec l'action. Ça nous parle de construire quelque chose de solide. On en revient à nos bases, à nos fondations. Les castors ont une faculté de construction. C'est les plus grands architectes du monde. Ils sont incroyables ce qu'ils arrivent à faire. Par contre, ils ont une stratégie d'une telle efficacité. C'est dur de déconstruire le barrage d'un castor, hein, quand même. Il faut même le savoir. Hein, voilà. Le castor, on nous parle de chakra racine, on nous parle d'ancrage aussi là dans cette carte. On vous dit qu'il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action pour commencer à faire des fondations. Il faut se mettre en action, il faut avancer pour construire quelque chose de stable, quelque chose de solide, quelque chose qui vous corresponde. Ça ne m'étonne pas qu'on ait l'action parce qu'on a quand même le roi de bâton. On reste dans des énergies de feu, dans des énergies d'action, de mouvement. Ce que je vous disais tout à l'heure, le lézard avec le rêve. On va mettre un pas ce week-end dans le concret. Concrètement, comment je réalise mes rêves? Alors, on ne sait pas tout à fait comment. C'est ça qu'on a à dépasser avec ce 3 de denier. C'est-à-dire de qui je m'entoure, comment je le fais, matériellement parlant, quel fond il me faut, sous quelle forme je le fais. J'ai envie d'aller vers ma mission d'âme, j'ai envie d'aller vers une personne. Ça peut être un autre qui a envie de revenir vers vous, vous qui avez envie de revenir vers un autre. Ça peut être dans un travail. C'est très général. Là, je vous parle d'énergie. On a envie d'avancer, on a envie d'aller dans quelque chose de nouveau qui nous vibre plus et on vous dit de poser des... Alors, on ne sait pas tout à fait comment. Voilà. Les bases ne vont peut-être pas être solides et c'est ça qu'on a à travailler. Par contre, on sait qu'on va suivre nos rêves. D'accord? Le lézard, c'est aussi celui qui survit. Il faut savoir qu'un lézard, on peut lui couper la queue, ce n'est pas grave. Elle repousse. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, vous avez eu des épreuves pour moi. Vous avez eu des épreuves. Vous vous dites que bon, bah, tant pis, tant qu'on ne me coupe pas la tête, ça va, j'arriverai toujours à avancer. Ça nous parle aussi du cœur, d'avancer avec le cœur et avec vos intuitions, de suivre vos rêves, votre intuition et votre cœur, de ne pas avoir peur de l'échec et d'essayer de travailler, de poser des fondations stables. Mais déjà, demain, de mettre un pas dans l'action. Alors, l'action, ça peut, la première action, ça peut déjà juste être lister nos rêves. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a envie de déjà prendre un papier et un crayon et les écrire, mettons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être juste ça. N'empêche que on va déjà faire une action, on va déjà mettre un pas. Voilà. Ensuite, à réfléchir au comment. Ok. On nous parle du chien avec la loyauté. Le chien, le meilleur ami de l'homme. Donc, on nous parle d'être le meilleur ami pour nous-mêmes. On nous parle d'être loyal envers nous-mêmes, de suivre notre instinct qui nous guide, notre âme nous guide. Le mental a tendance à nous freiner, à nous dire non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. L'instinct ne se trompe pas parce que l'instinct, c'est les guides. C'est votre âme et votre âme, elle sait très bien où elle doit vous ramener. Ça nous parle encore une fois des chakras du bas, là, tout ce qui est l'ancrage et encore une fois du chakra cœur. On a énormément de orange, de rouge, de blanc, le chakra coronal, et de vert, le chakra du cœur. Donc, on avance avec son cœur, on avance en sachant où on va, comment on veut y aller, on commence à mettre un pied dedans, en tout cas, on passe à l'action, c'est ce qui est conseillé, et on ne sait pas, on va peut-être se planter, mais peu importe, on y va. De toute façon, il faut y aller. C'est ce qu'on nous dit. Le mystère avec le lynx. Le lynx, c'est pareil, c'est un animal sauvage. Un animal très mystérieux, le lynx. Effectivement, un lynx, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas demain que tac, t'arrives, tu croises un lynx, c'est pas non plus. T'as vu, t'as quand même plus de chances de croiser un chien, quoi. Mais suivi. Ça nous parle d'équilibrer tous ces chakras et peut-être de percer certains mystères à l'intérieur de vous. C'est-à-dire pourquoi jusque-là ce que je mettais en place fonctionnait pas, bah justement parce que j'avais pas ces bases solides, parce que je m'entourais pas des bonnes personnes, parce que je m'y prenais pas de la même façon. Ça nous parle d'adopter peut-être une attitude qui était jusque-là mystérieuse pour vous, quelque chose que vous, enfin voilà, que voilà, une certaine personne réagit face à vous, en général ça vous met dans la colère, bah là vous décidez d'être détaché par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous parle aussi de garder une part de mystère à l'intérieur de nous. On est dans notre imaginaire, on est dans nos rêves, dans ce qu'on veut créer, mais on a notre jardin secret aussi. Voilà ce que ça nous dit avec cette carte du lynx. Oh, c'est sympa de le faire comme ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas la place d'en mettre 5, donc je vais en prendre que 4. J'en mets une cinquième. Non, elle passera pas à la cinquième. Donc je vais en prendre que 4, c'est pas grave, c'est bien 4. Hein, c'est bien, ça nous fait un peu d'espace entre les cartes. Voilà. J'essaye, vous, de vous les mettre droite. Alors je vous assure que c'est pas facile pour moi. Sans déconner, c'est pas évident, parce que moi je fais ça à l'envers. On se rend pas compte hein, quand on n'est pas derrière une caméra, mais je vous jure que quand on est derrière, c'est franchement pas évident. Tac. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Et en dos de deck, on a la famille. On a la famille, on a la famille d'âme, on a la stabilité. Le gorille, d'ailleurs, c'est fou qu'on vous parle de gorille parce que Irène Grosjean en parle dans sa vidéo des gorilles et de leur mode d'alimentation. Je vais vous le dire, si vous en foutez, tant pis, je vous le dis quand même. Elle nous explique que les gorilles ont des masses de plus de 200 kilos et qu'elles se nourrissent uniquement de baies, de fruits et de légumes crus, en fait. Voilà. Et que donc, on n'a pas besoin de protéines et autres. Bon, c'est bien plus vaste que ça, mais c'est rigolo qu'il y ait un gorille qui tombe. Bref, passons. Ça nous parle encore une fois des mêmes chakras et ça nous dit aussi d'être stable. D'être stable dans sa famille, d'être stable déjà à l'intérieur de soi, dans son intérieur, vous comprenez? Pour moi, vous êtes stable, mais vous avez besoin d'autre chose pour vous sentir mieux, en fait. C'est pas forcément stable, mais c'est mieux. Et juste derrière, on a la panthère noire avec le courage. Donc, ayez le courage de dépasser vos parts d'ombre, de dépasser vos schémas de pensée bloquants, de dépasser vos peurs et d'avancer vers votre imaginaire, vos rêves, vos désirs, ce que vous voulez construire et fructifier. Pour moi, c'est dans les énergies du week-end. Ouais, partir à l'aventure. On a l'aventure, pas loin. Il est sympa comme ça, cet oracle aussi. Hein. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil à ceux qui disent que j'interprète pas les cartes. Pas ceux, tu parles avec une personne qui l'a dit. Ça m'est resté. Allez, on est parti. On zoupe. Je vais me faire engueuler, tu sais.
Sur le castor et l'action, qu'est-ce que veut nous dire Gaïa? Eh bien, Gaïa nous parle de perception, derrière le voile des illusions. Ben, c'est ce que je vous disais, être intuitif, savoir où on veut aller, écouter ses intuitions, écouter votre part de mystère, soyez guidé, la loyauté, les rêves, les intuitions, avancez, vous avancez vers une mission de vie, vers une transformation. On déploie son chakra gorge, on déploie son chakra du troisième œil et on avance vers notre mission de vie, vers votre mission d'âme. Et là, on se met en action, d'accord? On se met en action vers ce qu'on perçoit. Sur cette carte, cette femme est très... Elle a un regard franc, droit et déterminé. Avec énormément de sagesse. Et ce papillon juste en dessous qui monte vers ce chakra-gorge et qui commence à transformer les choses pour ramener de la lumière dans sa vie. Et le premier pas, c'est déjà mettre une action, un pas, quoi, d'aller vers ses intuitions, vers ce qui nous fait vibrer, vers... Vous comprenez ? Sur le lézard et les rêves, on a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Bon, quand je vous parlais d'intégrité tout à l'heure, bah bien sûr, nos rêves, notre âme, elle veut quoi? Elle veut créer. Elle veut créer des belles choses. Elle veut... Regardez cette femme, elle est nue dans la nature, elle est apaisée. Je vous disais, on a beaucoup de verre, c'est le chakra cœur, mais on a aussi beaucoup d'ancrage. Elle est tellement ancrée qu'on a l'impression que les racines font partie d'elle, vous voyez? Parce qu'elle crée, à l'intérieur de son âme, elle crée, elle s'émancipe, elle augmente son taux vibratoire, vous comprenez? Elle est vraiment dans des énergies et elle est intègre à elle-même parce qu'elle est intègre, elle est vraie avec son âme. Son âme la guide vers ça. Et donc, vos rêves ne sont pas là pour rien. Vos rêves, vos intuitions, votre clairvoyance, tout ça vous guide vers le bon chemin. Donc, ce week-end, on va pouvoir écouter ses intuitions, cette clairvoyance, suivre ses rêves. Peut-être qu'il y en a qui vont péter une graine, qui vont dire « ça me casse les nanana, moi j'en ai marre, j'ai envie de ouvrir une galerie d'art, j'ai envie de vendre des pierres, j'ai envie d'aller élever des chèvres dans le Nebraska ». Ça, je vais vous le dire souvent. Pas mal d'élever des chèvres dans le Nebraska. Sur le chien et la loyauté, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Gaïa? Alors, on nous parle de quoi sur le chien et la loyauté? Être loyal envers soi-même. Ça ressort beaucoup l'intégrité, la loyauté, vous voyez, la perception, le derrière le voile des illusions, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est médiumité, tout ce qui est percevoir les choses, la lumière, les messages des guides, les messages de notre âme, être reconnecté à notre âme. Oula, c'est que c'était le moment que je me taise. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Bon, en plus, on l'avait hier, celle-là, il me semble. Ça nous parle encore une fois du cœur. Quand je vous dis le cœur, je ne vous parle pas de l'amour, de l'homme, de votre vie, de... Non, je vous parle de votre cœur. Je vous parle de votre âme. Là, elle se reconnecte au cœur de cet arbre, à l'âme de cet arbre, qui va venir guérir ses blessures. Elle peut lui rendre toute sa colère, toute sa tristesse et qu'il retourne à la terre et qu'il soit transmuté en énergie positive. Je vous jure, ça fonctionne super bien. Encore une fois, on a une femme totalement nue qui est ancrée. Donc, ça nous parle encore une fois d'ancrage, de retrouver ces énergies de notre âme, d'avancer vers notre cœur et d'être intègre avec nous-mêmes, ce qui vibre en nous, ce qui ne vibre plus en nous. Et pour moi, on a beaucoup nettoyé, beaucoup coupé, beaucoup lâché prise, fait beaucoup de choses. Et là, on va se concentrer un petit peu sur nous, notre mission de vie, ce qu'on peut faire, être plus léger et écouter ses intuitions. Très belle carte. Sur le lynx et le mystère, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière? Oula, non, j'en ai trop. Non, faut pas déconner quand même. Non, là, j'en ai trop, là. Moi, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte, quoi? Voilà, merci, c'est parfait. Une carte, c'est très, très bien. L'arbre de feu, début nouveau. On est encore une fois dans des énergies de feu. Hein. Le feu, alors là, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je vais quand même vous le dire. Le feu, ça brûle, certes. Certes, ma petite Claire, c'est bien. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Bref, je suis sûre que vous y avez pensé. Le feu, ça brûle, ok. Mais le feu, ça brûle... Le feu, ça brûle, ça peut chauffer, donc ça peut nous tenir chaud. Le feu, ça brûle, ça peut nous permettre de faire à manger, de faire chauffer de l'eau, de prendre un bain. Le feu, ça brûle, ça détruit aussi.
Mais quand le feu détruit, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça repousse, ça refleurit et il y a un renouveau. C'est un peu la carte de la mort dans le tarot, la renaissance. Laisser mourir certaines choses, brûler certaines choses pour faire renaître un feu ardent au niveau de l'âme, au niveau du cœur qui va renourrir votre âme et lancer quelque chose de nouveau, un nouveau processus. Magnifique. Et on a la lune et on a encore les arbres. Donc ça peut être aussi quelque chose de nouveau entre deux personnes là. Je vois deux arbres qui s'entrelient l'un l'autre. On peut nous parler aussi là dans cette carte de relations flammes jumelles où on a vraiment des racines qui s'entremêlent comme ça l'une et l'autre et qui viennent former un tout, un, qui sont intuitifs et qui décident de renaître de leurs cendres un peu comme le phénix, vous voyez, pour aller vers quelque chose d'abondant. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Regardez, encore une fois, on a une femme qui embrasse un arbre. On a encore le cœur de l'arbre, le cœur de cette femme. Au-dessus des voiles Tiens, derrière, j'ai passion, amour, communion spirituelle. Tiens, incroyable, quand je vous disais les flammes jumelles. L'intuition, le murmure silencieux du cœur, oui, bien sûr, elle se relie encore une fois à cette âme. Là, elle reconnaît son cœur, elle s'y connecte. D'abord, elle se connecte à ses intuitions, à sa gorge. Ensuite, elle s'ancre dans la nature. Donc, elle est beaucoup plus créative, elle écoute ses rêves. Elle passe en action en écoutant ses intuitions, en se reconnectant à ses perceptions. Vous comprenez? Elle va aller pouvoir matérialiser tout ça, cette personne. Ensuite, elle va se reconnecter à ses rêves, elle va se reconnecter à son cœur, elle va pouvoir créer, être inspirée, commencer à être fidèle à son âme. Effectivement, elle va vers cette fidélité, cet ancrage. Elle va avoir besoin de se reconnecter au cœur de Gaïa, au cœur de notre planète pour être en harmonie avec elle, vibrer sur le même ton et du coup, mieux entendre les vibrations de son âme et de sa mission de vie, de son chemin de vie, de qu'est-ce qui va lui correspondre, qu'est-ce qui lui fait vibrer à l'intérieur d'elle. Du coup, cette personne a besoin de détruire, peut-être en silence, peut-être sans forcément le dire aux autres. C'est quelque chose, c'est un chemin qu'elle va faire intérieurement. Mais elle a peut-être besoin de brûler certaines choses pour raviver une flamme, vous comprenez? Peut-être brûler un passé pour raviver une flamme. En tout cas, brûler des choses qui n'étaient plus bonnes pour raviver la flamme. Et pour moi, ce travail, vous l'avez déjà fait en fait. Donc, vous êtes plus dans une dynamique de raviver une flamme, renouer des liens avec la terre, renouer des liens avec des personnes, renouer des liens avec une mission de vie, une mission d'âme, renouer des liens avec votre cœur, votre créativité, votre respect tout en vous respectant vous. Et là, elle va embrasser ses intuitions, embrasser son cœur, embrasser l'âme, embrasser sa spiritualité, vous comprenez, au milieu de l'abondance. Donc, elle est complètement reliée à son intuition. Parce que c'est son cœur et c'est son âme. Vous comprenez? Peut-être des rapprochements avec des familles d'âmes aussi. Et juste derrière, on a sacré cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ça, c'est pour nos liens d'âme. Ok, d'accord. Bon. Tiens, on va prendre l'oracle cosmique. On va prendre l'oracle cosmique et puis après, on prendra nos petites sorcières. Ouais, je le fais complètement freestyle. Je prends pas du tout les mêmes oracles que d'habitude. C'est pas grave. C'est bien aussi. C'est sympa aussi comme ça. Alors. Que je les prenne à l'endroit. Qu'est-ce que nous dit notre âme, justement? Ah, elle a plein de choses à nous dire, notre âme. Dis donc, elle est bavarde. Elle nous parle de pause. Elle nous parle d'un temps de pause dans notre vie, de mettre les choses dans notre vie, de mettre les choses en pause. On a besoin d'arrêter un mental, on a besoin d'arrêter peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un surmenage. On a besoin de se mettre en pause au niveau de nos énergies pour écouter notre cœur, écouter notre intuition et s'équilibrer. Votre âme appelle à l'équilibre, à une pause à l'intérieur de vous pour vous équilibrer, pour revenir à vos intuitions et à votre cœur. Foutre le bordel, du coup, elles sont deux, là. Je vais faire comment, moi? La pause et l'équilibre. Je ne vais pas lui couper les yeux, elle. Ok. Sur les rêves, le lézard, la déesse de la création, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le monde dans le monde.
Donc notre monde intérieur, quelle place prend-il dans le monde? Quelle place avons-nous dans le monde? Où allons-nous dans ce monde? Où on a envie d'aller dans ce monde? Vous comprenez? Voilà ce que ça nous dit. Se reconnecter à ce monde pour faire conscience, pour prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est rien, mais en même temps, sans nous, l'univers est complètement bousculé. On n'est rien, mais on fait partie d'un tout. Et chaque individu de ce tout ne font qu'un. Vous comprenez? Ça rappelle à l'unité aussi. Voilà ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? On nous parle d'ombre. La guérison, quand je vous disais les parts d'ombre tout à l'heure, la guérison sur nos parts d'ombre. La guérison du cœur, la guérison des trahisons, la guérison des blessures, des grosses blessures d'âme qui font mal. Voilà, ce week-end on guérit, ce week-end on balaye, ce week-end on passe à autre chose, on n'a plus envie de ce poids. Et pour ça, on écoute nos intuitions, on écoute notre âme et on se concentre sur nous et on est fidèle à nous-mêmes. Ça va nous aider aussi à guérir ces blessures. Aussi en prenant conscience, vous voyez, elle a aussi son troisième œil qui est éclairé. Prendre conscience de ces blessures, c'est aussi pouvoir les guérir. On vous parle de connexion cosmique. Alors, elle est assez incroyable ce cadre parce que si on la regarde comme ça, là, ça fait un homme qui prie. Si on la regarde comme ça, on dirait une fourmi. Et on nous parle de cosmos, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et c'est la carte 11, c'est la carte des flammes jumelles. Enfin, c'est pas la carte des flammes jumelles, mais le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles quand même. Il faut quand même le dire, hein, voilà. S'il sort, c'est pas pour rien. Donc on nous parle de connexion cosmique encore une fois. On nous parle d'intuition, on nous parle d'être connecté à la source, d'avoir ses chakras alignés, c'est ce que je vous disais, d'être ancré. Et de prendre conscience du tout petit comme une fourmi, comme du plus grand. Et de prendre conscience qu'on fait partie de cet environnement. Déjà ça va nous aider à aller vers notre âme et à écouter notre cœur. Ok, vous allez vous dire, elle a complètement craqué la petite Claire là. Lâchez prise. Eh ouais. Lâchez prise et écoutez vos intuitions. Tout ce processus-là va nous aider à écouter nos intuitions, à lâcher prise et à s'équilibrer à l'intérieur de nous-mêmes. Sympa. Et on a encore la couronne d'or derrière. Sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve sympa ce tirage du coup. Hyper intéressant comme ça. Franchement, hyper intéressant. Ok. Pourquoi j'en ai encore qui sont à l'envers? Pourquoi j'en ai encore qui sont à l'endroit? Ils aiment bien me perturber, mais ça me perturbe, vous le savez, ça me perturbe. Hop. On va aller voir avec l'oracle des sorcières, là. L'oracle des sorcières. Des petites sorcières. Petites sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'équilibre et la pause? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, j'aimerais des messages pour ce week-end. Écoute la sagesse. Écoute la sagesse. Écoutez votre étoile qui vous guide. Écoutez votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez pas les mauvais corbeaux, mais écoutez les corbeaux qui vont être présages de magie. Le corbeau, c'est la magie de la terre, vous comprenez? La magie de l'univers, la magie tout court. Écoutez les bons conseils, soyez sages à l'intérieur de vous. Écoutez cette sagesse intérieure, votre sagesse intérieure, la sagesse de l'arbre aussi, de l'âme. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis l'arbre, c'est pas pour rien. Peut-être la sagesse de l'arbre, ça me parle beaucoup aussi d'ancrage, hein, ce tirage. Hein. Peut-être qu'on va faire une méditation d'ancrage. Hein. C'est fou parce qu'avant, je me suis dit, je me ferais bien une bonne méditation d'ancrage, ça fait longtemps, tiens. Affirme ta croissance. Eh bien, bien sûr, vous allez affirmer votre croissance ensuite. Ben oui, mais c'est évident, forcément. Vu qu'on écoute son âme, on va vers notre mission de vie, on s'équilibre dans des énergies de feu, on passe à l'action, on écoute nos intuitions, on arrive à lâcher prise, on prend conscience de l'univers, de ce tout, de nos rêves, on se reconnecte à nos rêves, bah forcément, on va affirmer cette croissance, affirmer nos découvertes d'âme, affirmer qu'on est bien, qu'on est épanoui, quoi. Pour moi, c'est un bon week-end. Hein. Franchement, c'est un week-end de la classe. Hein. L'ombre hiberne et régénère. Ça, c'est un conseil de vos guides. On vous demande, encore une fois, d'hiberner. Alors, hiberner, c'est quoi? Et régénérer. Hiberner, c'est dormir.
Mais dormir, peut-être, ça nous parle de nos rêves. Ça vous parle de... Elle dort quand même vraiment sous un arbre, encore une fois, sous les racines d'un arbre, cette petite sorcière, vous voyez? Et au milieu des pierres. Et toutes ces pierres sont de couleur verte, ce qui me fait énormément penser au chakra du cœur. Voilà. Donc, encore une fois, dormez, écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui fassent des rêves prémonitoires. Ça va vous aider aussi à guérir vos pardons, vos blessures, vous voyez. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans vos rêves, pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ce week-end à tous mes êtres de lumière? Ok, super. Active-toi. Donc, on attaque par une carte d'action, on finit par une carte d'action. Bon. Là, on ne peut pas faire mieux. Ça nous parle d'eau aussi. Ça nous parle de poissons, de communication. Ça nous parle de jeu avec ce chat qui joue, d'enfant intérieur. Et on a encore une fois les castors. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, les castors. Je vais essayer de vous les... Vous n'y voyez que dalle, là. Ça ne va pas du tout. Peut-être, ça se trouve, vous en foutez de mes castors. Non? Je vous jure, je ne les ai pas hallucinés. Là, il y a un petit chat. Et là, il y a des petits castors, vous voyez, ça et ça, c'est deux petits castors, voilà. Le castor qui construit quelque chose de stable, encore une fois. Encore une fois, ancrage, abondance, croire en la magie de la vie. C'est aussi les pieds dans l'eau qui apaise, l'eau qui nettoie. Donc, on brûle avec le feu, on apaise avec l'eau, on part vers quelque chose de plus calme, de plus dans la sagesse, de plus serein, parce qu'on allait chercher, gratter ses blessures d'âme en se reconnectant à la terre, en se reconnectant à ce tout, en se reconnectant à l'unité et en retournant vers nous. Du coup, ça nous aide à lâcher prise. Médite pour t'apaiser. Bon. Ben voilà, forcément, on vous parle de méditation. Le petit sorcier qui médite là, il a son chien, il est tout tranquillou dans sa bouée. Hein. Il est entouré de tortues, la tortue c'est aussi la sagesse. On nous parle de ne pas faire machine arrière. Cherche pas, ne pas faire machine arrière. Ce qui n'a rien à voir avec cette carte quoi. Eh ben ne pas faire machine arrière, ça parlera à quelqu'un. Ne fais pas machine arrière. Si quelqu'un voulait faire machine arrière dans une situation, ne fais pas machine arrière. Vous direz si ça vous parle. Voilà. Méditez, recentrez-vous. Ça va vous guider vers vos intuitions et vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Ok. Non, mais des fois, je te jure. Alors, des fois, je canalise des trucs, mais moi, je ne les comprends pas. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors, après, il faut que ça vous parle à vous. Ok. On va aller voir au niveau du cœur. Et pour ce faire, au niveau sentimental, ce week-end, parce que c'est sympa aussi de faire du sentimental, c'est aussi sympatoche de faire du sentimental, nous allons interpréter tout ça. On va faire pareil, on va balayer ça, et on va aller le faire sous la même forme, mais différent. Un petit peu différent, tu vois. On va faire pareil, mais différent. Ce n'est pas pareil. Tu vois, tu fais pareil, sans tout à fait faire pareil. Ma grand-mère qui parle comme ça. Tu dois me dire si j'y parle mal. Tu parles très très bien, mamie. Allez, on est parti. L'oracle des flammes jumelles. Alors là, je ne vais pas forcément faire les liens d'âme. Hein. Je vous le dis de suite. Je vais faire un tirage avec ce tarot d'ailleurs, parce que c'est un tarot des flammes jumelles à la base. C'est pas un oracle. The tarot. The flame jumelle, the fire, the jumelle fire of a tarot. Vous avez le droit de vous moquer de moi, moi je me moque tout le temps de moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce week-end au niveau sentimental à tous mes êtres de lumière, le week-end du 1 et du 2 mai? Wow! La purification. Bah oui, vu que vous êtes dans une guérison, vous êtes dans une purification aussi. Vous purifiez avec le 9 de flamme, encore une fois, d'accord? Vous êtes en train de purifier quelque chose. Donc, on purifie par le feu, par exemple. Ça me parle de nettoyage à la sauge hein, aussi. Hein. Voilà, hein, vous prenez ce qui vibre en vous. Voilà, ça me parle de nettoyage à la sauge. Le 9 de flamme va purifier vos énergies, purifier les énergies d'un autre, purifier votre mental, purifier votre intériorité. Vous purifiez votre cœur pour
aller vers quelque chose de nouveau, en fait, qui vers quelque chose qui vibre. On vous parle d'un lien énergétique. Ça nous parle d'un lien énergétique aussi avec la terre. Ça nous parle de se reconnecter encore une fois à la terre dans l'amour. Ça va vous aider à avancer vers votre cœur et aller vers un lien d'âme ou à avoir des clés dans les liens d'âme, à avoir des clés si vous êtes célibataire, à être au bon endroit au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Attirer la bonne personne avec le 10 des terres. Magnifique cette carte aussi. Je ne prends pas toujours le temps de regarder les cartes. Ce soir, je prends le temps. Je vous fais un tirage en pleine conscience. Ouh, le karma qui tombe à l'envers. La fin d'un karma. Alors pour moi, c'est on a le karma positif, on a le karma négatif. Voilà, un karma, c'est récurrent, ça tourne. Voilà. Et bien, on vous dit que c'est la fin d'un karma. Vous coupez avec un karma familial, un karma sentimental. Vous coupez quelque chose au niveau énergétique, vous coupez un karma, ce qui va vous permettre d'avancer, de purifier, vous purifiez un karma. Et du coup, de retrouver de l'énergie au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau de votre émotionnel, et d'avancer vers quoi, justement? Tiens, on avance vers quoi? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, vers au multivers, à la source. Vers quoi on avance au niveau sentimental? Oh là là, mais ils en ont pas marre de me faire faire du sport. Bougez pas, je prends mon petit câble, j'arrive. Ouh. Alors, on avance vers... Waouh! Quand je vous disais équilibrer vos chakras, vers la connexion des chakras. Vers un équilibre au niveau de vos chakras avec le 7 des terres. Un équilibre au niveau de vos chakras qui va vous permettre de retrouver une puissance et d'attirer la bonne personne à vous. Pour les liens d'âme, clairement, on vous dit que vous purifiez le karma négatif, vous vous en libérez, vous êtes connecté au lien énergétique et vous allez vers une connexion à votre autre, vers une connexion de cœur, vraiment la cinquième dimension, quoi, la vraie connexion, quoi, vous voyez? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la purification? Ah, d'accord. Donc, on nous parle de compréhension. Donc, la compréhension tombe à l'envers. Donc, on nous parle de compréhension à l'envers, ce qui veut dire qu'on a peut-être eu du mal à comprendre certaines choses en amour, dans nos modes de fonctionnement, dans nos relations passées. D'accord? On a eu du mal à trouver la lumière par rapport à ça. Mais on est quand même guidé dans notre mission divine au niveau de l'amour, donc au niveau de notre cœur, en fait. D'accord? Donc, on purifie tout ça pour, à mon avis, remettre cette compréhension à l'endroit. Comprendre déjà dans les liens divins que tout ça vous amène d'abord et avant tout, pas à votre hôte, mais à votre mission divine. Voilà, c'est un chemin d'âme, un chemin spirituel. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit clairement que vous avez peut-être eu des épreuves au niveau sentimental, que vous êtes en train de purifier tout ça, mais que tout, même si vous n'avez pas tout compris le chemin, c'est pas grave. C'était pour vous amener d'abord aussi vers votre mission divine. Parce qu'on a tous une mission, hein. Je passe solo dans ma mission, là. Les liens énergétiques. On vous parle d'ancrage et on vous parle d'instant présent. D'accord? Être dans l'instant présent. Et cet instant présent tombe à l'envers. Donc, vous avez peut-être du mal à être léger, à être dans l'instant présent au niveau sentimental. Pour vous aider dans des liens énergétiques, dans des liens d'âme, ou pour vous aider si vous êtes célibataire et que vous voulez absolument un autre ou quoi que ce soit, on vous dit, on vous demande de vous réancrer dans l'instant présent. Et vous allez peut-être avoir du mal ce week-end à vous ancrer dans l'instant présent. D'où peut-être le fait de prendre du temps pour vous, de vous équilibrer, de méditer, d'aller en pleine forêt. Tiens, j'avais la nuit noire de l'âme qui allait tomber sur le karma et elle n'est pas tombée. Elle a voulu se retourner, elle ne s'est pas retournée. De vous reconnecter à la terre, voyez, sur le karma, justement. Ah, je n'ai pas réussi à la retenir. Zoup. Waouh, magnifique. Je suis trop contente. Pardon, j'ai tout fait bouger, du coup, mais parce que je suis refaite un peu. Le couple sacré. C'est pas magnifique, ça? Elle n'est pas magnifique, cette carte? Juste le couple sacré, quoi. Voilà. Vous nettoyez un karma pour aller vers la personne qui vous correspond, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans un lien d'âme. Si vous êtes dans un lien d'âme, vous savez qui c'est, donc c'est très bien, vous êtes en train de nettoyer un karma, vous retournez vers cette personne. Pour ceux qui sont célibataires, ne doutez pas, en fait. Vous êtes en train de nettoyer un karma au niveau sentimental, à l'intérieur de votre cœur, pour aller vers la personne qui vous correspond. Et ce sera une très belle relation. Bon, c'est sacré quand même, hein. Couple sacré, c'est pas rien, quoi. La connexion
des chakras. L'amour inconditionnel qui tombe. Le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. Donc, en vous reconnectant à vous, vous allez vers cet amour inconditionnel. Vous avez peut-être du mal à être dans cet amour inconditionnel. Il y a peut-être des difficultés d'être d'abord dans l'amour inconditionnel de soi-même. On doit travailler dessus. On a identifié nos désirs, on sait où on va, mais on a déjà du mal tout le temps à se remettre au centre, à pas que notre bonheur amoureux dépende d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, si vous arrivez à vous ancrer à l'instant présent, si vous arrivez à aller vers votre mission divine, on vous dit que vous nettoyez ce karma pour aller vers un beau couple et vers cet amour inconditionnel. On vous demande d'abord de le faire pour vous au niveau sentimental, ça va vous aider à avancer. Tiens, les énergies négatives. Donc attention aux énergies négatives. Mais pour moi, ce n'est pas qu'il y en a, c'est qu'en vous rééquilibrant, ce week-end, vous arrivez à mettre ces énergies négatives à distance en fait. Vous vous libérez d'énergies négatives. Ouais. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. C'est toujours nous qui choisissons des décisions qu'on prend. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettons que vous êtes dans un lien d'âme. Votre autre, c'est votre autre. De toute façon, vous savez que c'est votre autre. Vous êtes, vous avez été choisi. Pour qu'on ait été choisi, c'est que, on a signé un contrat avec la source. C'est un peu fait arnaque. Choisi un contrat avec la source. Et on est dans un magnifique lien d'âme. Voilà. Ok, super. Votre autre, il déconne, il se barre, il s'en fait une autre. Peu importe. Vous avez le choix de nettoyer vos blessures. Je vous conseille de le faire. De nettoyer la blessure de la trahison, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. D'avancer pour vous. Et vous avez le choix de retourner vers votre autre. Comme vous avez le choix de ne pas retourner vers votre autre. Comme vous avez le choix de rester en colère un moment ou de rester figé vous aussi un moment ou juste de tout envoyer chier, de vous concentrer sur vous. Peu importe, vous avez le libre arbitre dans tout. De toute façon, l'univers vous ramènera toujours vers votre mission d'âme. Voilà. Et vers votre éveil spirituel. Et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Peu importe, mais de toute façon, vous irez. D'accord ? Voilà ce que ça nous dit. L'amour inconditionnel de nous-mêmes et le libre arbitre. Et pour ça, vous avez tout à fait le choix de les mettre de côté, ces énergies négatives. C'est aussi votre choix à vous. Vous voyez, des fois, on se laisse embarquer par la colère d'une personne alors qu'on pourrait très bien la balayer nous-mêmes et décider de ne pas se laisser embarquer. Voilà, tout simplement de dire, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vient vers vous et qui s'énerve, de dire tout simplement, non mais en fait, je ne sais pas, un truc, ça ne vibre pas, je n'ai pas envie. Salut. Mais un truc complètement anodin, quand les gens s'énervent contre vous, essayez, genre, t'as mangé des pâtes aujourd'hui ? Le truc, rien à voir avec la choucroute, ça calme tout de suite les gens en face de vous, vous allez voir. Bon, après, ils vous traitent de folle. Mais n'empêche qu'à un moment, ça les calme. Allez, on est parti. Qu'est-ce que l'oracle du chakra du cœur veut nous dire au niveau sentimental pour ce week-end ? À tous mes êtres de lumière, alors. Ah ! Donc, on a une personne qui s'est éloignée ou vous qui vous êtes éloigné. Elle tombe à l'envers. Ce qui veut dire que on vous dit de ne pas vous éloigner de votre mission divine. Je sens que votre mission d'âme, votre mission divine est reliée à à la purification d'un karma, d'énergie bloquante. Et même si vous comprenez partout, on vous demande de pas vous éloigner de votre mission divine. Oh non, sérieux, ils sont sérieux. Mais je crois que mes guides veulent me dire qu'il faut que je me remette au sport, là. Je crois que ça y est, le message est passé, je vais me remettre au sport. Ok, j'ai compris. Changement positif dans une relation existante. Bah ouais, parce que si vous nettoyez, vous vous ancrez à l'instant présent, vous ancrez à l'instant présent, c'est aussi... Alors, soit c'est une relation existante parce que vous êtes dans un lien d'âme, ça peut être aussi une relation existante avec un ami qui va vous permettre de voir certaines choses différemment, voyez, ou peut-être un ami qui va devenir un peu plus qu'un ami, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le karma à l'envers, le couple sacré, là ? On nettoie un karma, on va vers un couple sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des chakras du cœur. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah. Une âme sœur spirituelle. Bon, couple sacré, âme sœur spirituelle, c'est confirmé, reconfirmé. Vous allez vers
une âme sœur, un lien d'âme, parce qu'en ce moment, vous êtes en train de nettoyer un karma au niveau sentimental. Bon, là, on est au clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour inconditionnel et la connexion, le réalignement des chakras, le fait de se connecter à la source aussi. Prends là, ok, ils me disent, très bien, je la prends. Bon, bah là, bien sûr, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc ça, c'est pour tous les liens d'âme. Pour moi, pour les célibataires, alors vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais pour moi, vous connaissez cette personne au travail, un ami, peut-être une personne que vous avez déjà vue dans votre enfance, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est une personne que vous avez connue ou que vous connaissez. C'est une personne qui fait partie de votre entourage, duquel vous vous êtes tourné le dos. Vous avez peut-être pris des voies différentes ou alors vous n'êtes pas du tout dans cet objectif-là. Et pourtant, on vous dit que c'est une belle relation avec cette personne qui arrive à vous. On nous parle d'un cadeau, d'accord ? On nous parle d'un cadeau avec une personne qui sera très lumineuse, qui aura des énergies très lumineuses, très, très éclairées, très, très spirituelles. Avec cette personne, ce sera adieu la routine. On vous dit que vous doutez et vos peurs ne sont pas fondées non plus. Plutôt pas mal au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous en disiez là, mes petits zoulous? Allez, eh bien tiens, on va aller prendre le Normand. Quoique non. Si. Ok. Renaissance. Mort, renaissance. Bon, là, on est d'accord, on confirme. Au niveau sentimental, il faut laisser partir certaines choses. Il faut s'éloigner de peut-être certaines choses qu'on ne comprend pas, d'énergie qui ne nous correspondent plus. S'éloigner d'un ou autre, s'éloigner d'une relation qui ne vibre pas, s'éloigner de... Tu viens, tu fais quoi? Allez, Chacha. S'éloigner de... On a le libre arbitre de couper certaines choses, de s'éloigner pour renaître. On va renaître ce week-end. Même si on ne comprend pas tout, on s'en fout, on renaît. En fait, c'est ça qu'on nous dit au niveau sentimental. Wow, là, ok. Wow, super. L'ours, la stabilité, le bonheur. Ah, l'ours, la stabilité, le bonheur. Quelqu'un de solide à vos côtés. Quelqu'un qui est ancré, encore une fois. Un gros nounours bien tendre, là. Un ours, quoi. Voilà, l'ours. Le choix, une décision, un choix à prendre pour ce week-end, d'accord? Bon, le choix d'aller vers l'ombre ou le choix d'aller vers la lumière. Alors, on peut aller vers l'ombre en allant gratter nos parts d'ombre. Parce que l'ombre, il y a la lune et c'est l'intuition aussi, d'accord? Donc, intuitivement parlant, on peut aller gratter nos parts d'ombre pour les nettoyer et ensuite retrouver notre lumière intérieure. Et pour moi, c'est ce choix qu'on fait au niveau sentimental qui nous amène à une âme sœur spirituelle parce que justement, on nettoie un karma en fait. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Ok. Bon, on nous parle de légèreté, de communication. La carte 12, je vais la prendre. La carte 12, c'est aussi le pendu dans le tarot. Donc, peut-être une situation qui était pendue, qui était bloquée. Pour autant, le pendu dans sa belle version, c'est voir les choses sous un autre angle, en fait. Vous voyez, là, vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses sous un autre angle et vous êtes intuitif, vous écoutez vos émotions. Voilà ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Vous allez aborder les choses différemment. On nous parle de secrets. Peut-être que vous gardez ces choses secrètes. Hein. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les Médéors d'Anka? Et après, on va voir ce qu'on a à travailler, du coup. Donc, j'ai fait un tirage général, mais complètement différent et beaucoup plus en canalisation. Et qui parle aussi beaucoup aux liens d'âme. Donc, je pense que je ne vais peut-être pas vous tirer vos petites cartes, les liens d'âme. On va voir. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok. D'accord. Donc, je vous la montre à l'endroit, mais elle tombe à l'envers. Donc, je vous montre à l'endroit. On nous parle de blocage karmique. Donc, on nous parle de la fin d'un blocage karmique. D'accord? Quelque chose qui était bloqué au niveau karmique. C'est fini. Ça se débloque ce week-end. D'accord? On débloque un karma. Ok? Donc, c'est plutôt positif. Parce que si on débloque, ça veut dire qu'on transforme. Ça veut dire qu'on va vers quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'on va vers quelque chose de neuf. Et ça veut dire que c'est cool. Parce que, bah, du coup, on a bien nettoyé. On a bien fait notre taf. Hop. Pardon. Non, mais ça, je suis très maniaque. Hein. Enfin, je ne sais pas que je suis très maniaque, mais je pense surtout très artiste. Voilà. Et je pense au visuel. Voyez-vous? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ours, la stabilité, un changement positif dans une relation existante avec... Bon, bah, ça va parler aux flammes jumelles. Ça nous parle d'ex-partenaire.
Donc, ex-partenaire, une personne du passé, une personne que vous connaissez, une personne qui va revenir vers vous, qui va être stable, une personne que vous avez dans votre cœur. Ça me parle beaucoup de lien d'âme, hein, on est bien d'accord. Étant en relation flamme jumelle, forcément, je suis là aussi pour vous guider dans cette voie. Mais pour les célibataires, je ressens vraiment fortement que vous connaissez une personne de votre passé. Alors, soit c'est un ex, hein, et là, on vous dit encore que vous avez le libre arbitre. Soit c'est pas un ex, mais c'est une ou un ex très lointain ou vraiment un ami ou vous voyez quelqu'un que vous avez croisé, l'ami d'un ami, le cousin d'un ami, j'en sais rien, ou la cousine d'un ami, vous voyez quelque chose du passé qui revient. On nous dit acceptation. Il faut peut-être tout simplement le choix qu'on a à faire demain, c'est peut-être tout simplement d'accepter nos parts d'ombre, d'accepter des trahisons, d'accepter des douleurs. Vous savez, quand vous acceptez une émotion, elle passe beaucoup plus vite. Quand vous acceptez une blessure, elle passe beaucoup plus vite. Il faut déjà la reconnaître et l'accepter. Et accepter peut-être un célibat, accepter de ne pas trouver quelqu'un tout de suite, accepter, peu importe, accepter. Et soyez dans l'amour déjà de vous-même inconditionnel. Ça vous permet de voir les choses différemment, d'être plus léger, de retrouver de la légèreté, ouais. Parce que là, voyez, on a eu que de l'abondance tout le long, et là, on a un corps physique qui est en souffrance. Parce que tant qu'on ne voit pas les choses différemment, tant qu'on ne prend pas de la hauteur, qu'on se réaligne pas au niveau de nos chakras, au niveau de notre intérieur et de notre personne, on en souffre physiquement, vous voyez? On en souffre physiquement. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui en souffre, qui tient ça secret, qui aimerait vous offrir un cadeau, mais qui n'arrive pas parce qu'il y a trop d'énergie négative. Ça peut être ça aussi dans les liens d'âme. Ça peut aussi être votre autre si ça ne vibre pas. En tout cas, on perd au niveau santé physique. Comment on nettoie ça là? Comment on nettoie là cette perte au niveau santé physique? La réussite. On projette la réussite. On fait une loi de l'attraction positive. On se voit en haut vainqueur. Vous voyez, on s'entoure aussi de belles énergies. On nous parle aussi là du chakra du plexus solaire, de se reconnecter à ses intuitions, à la source, on en parlait tout à l'heure. Et on a une réponse qui tarde. Une réponse qui tarde pour une réconciliation. D'accord? Donc ça me parle beaucoup de réconciliation. Okay? Bon, c'est égal si elle tarde. Vous avez deux solutions, hein. Soit ça tarde et vous décidez d'être triste et d'attendre, soit ça tarde et vous décidez d'en avoir rien à taper, de continuer votre vie et d'être bien. Ça se passe plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil là? Qu'est-ce qu'on travaille au niveau sentimental pour ce week-end? Ah, on travaille nos vies antérieures quand je vous dis qu'on nettoie un karma. Oui, ben, un karma au niveau des vies antérieures, peut-être tout simplement au niveau émotionnel, au niveau sentimental. C'est pour ça qu'on est célibataire, c'est pour ça qu'on est dans un lien d'âme, c'est pour ça qu'on a des blessures. Voilà ce qu'on travaille. Ok. Une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on travaille ce week-end au niveau sentimental? Ou qu'est-ce qu'on équilibre? Tiens. Qu'est-ce qu'on équilibre au niveau sentimental ce week-end, au niveau émotionnel ce week-end, au niveau de notre cœur? Oh, Queen Bee, la confiance en nous. Regardez cette Queen Bee, si elle n'est pas belle. La confiance en nous, on équilibre notre confiance en nous, on reprend confiance en nous. C'est plutôt pas mal ça. Une dernière, parce qu'on me dit d'en prendre une dernière. Enfin, on me dit qu'il y en a trois, mais il y en a une dernière. C'est celle-là? Ok. L'amour de soi. Ce qui ne m'étonne pas, l'amour inconditionnel. Regardez comme elle est épanouie parce qu'elle s'aime elle d'abord. Elle s'en fout des autres qui reviennent, qui ne reviennent pas, qu'elle soit toute seule, qu'elle ne soit pas toute seule. Elle s'aime elle, elle est dans sa complétude, elle est équilibrée, elle écoute ses intuitions. Et c'est pas facile de s'aimer soi. Compliqué. Et en d'autres decks, on a consciousness. Donc la conscience, l'élévation spirituelle, le troisième œil, vraiment tout ce qu'on a vu tout le long, se reconnecter à ses intuitions, à la source. Et lâcher prise au niveau du cœur, le chakra du cœur. Hyper parlant cet oracle, moi j'adore. Ok, bah voilà mes petits loulous. Je vais en rester là parce que c'est un très beau tirage, sincèrement. Je vais quand même prendre un petit message des anges. Et je vais aller le choisir et devant vous-même. Je vais faire ça comme ça. Oula, là ça va être le bon ça. Ça ne va pas me plaire, hein. L'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses.
Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Et au lieu d'attendre impatiemment, eh ben, aimez-vous vous-même, prenez confiance en vous, avancez pour vous, éclatez-vous, oula. Soyez plus léger. Instant présent, pleine conscience, ça fonctionne bien ça. Et on vous dit que vous êtes protégé et j'ai juste derrière la clairvoyance. Ok ? D'accord. Bon. Je pense que là, les messages sont clairs même au niveau sentimental. J'espère en tout cas. Vous me direz tout ça, je vous embrasse fort, je vous ai fait une vidéo d'une heure, je vous laisse. Et on se retrouve lundi pour les énergies journalières. Et entre deux, je vous fais les tirages sentimentaux. Bisous, bisous, ciao, bon week-end mes loulous et très bon 1er mai à vous tous. N'hésitez pas à me faire des retours, je vous embrasse.